Sylvain Fagot, bonjour. Bonjour Ludovic. Alors Sylvain Fagot, vous repartez pour une deuxième campagne en tête de liste. Tout à fait. Pour Andy. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a décidé à continuer votre mandat, on va l'appeler comme ça? Alors, deux choses m'ont motivé. Pourquoi repartir déjà? Repartir pour continuer ce qui a été entrepris pendant ce premier mandat. Nous avons beaucoup travaillé avec l'équipe 2014-2020 sur l'aménagement de la commune, notamment sur différents bâtiments communaux, notamment les cloches de l'église d'Andy, merveilleux. La réflexion voilà, de l'église aussi? Non, pas la réflexion de l'église, à part le chauffage de l'église qui a été revu pendant ce mandat. Au-delà de ça, il y a eu des constructions de bâtiments. Il y a l'espace socioculturel qui est juste derrière moi. On va y revenir. On voilà. va voir un petit peu tout ce qui a été fait un petit peu. Tout à fait. Au-delà de ça, il y a eu évidemment beaucoup de travail sur les bâtiments, sur l'aménagement du centre-bourg. Une motivation justement pour continuer sur ce qui avait été entrepris. Ensuite, des Andillais sont venus me voir et ont souhaité que je me représente. J'ai été particulièrement touché en 2018 par la décision de mon adjointe de se présenter contre moi pour 2020. Ça vous a refroidi un peu? Ça m'a très clairement refroidi. C'est quelque chose que je ne m'y attendais pas. Ça a été pour moi une certaine surprise. Et donc, il a fallu réagir par rapport à cette décision de Madame Dupraz. Et je dois dire que sans le soutien de la population, je ne suis pas sûr que je serais reparti. Voilà. C'est justement parce que les gens ont été aussi solidaires et derrière moi et m'ont clairement exprimé leur soutien par rapport aux actions que j'ai pu conduire pendant ces 6 ans, que j'ai décidé de repartir pour un nouveau mandat. Donc vous ne repartez pas seul, bien évidemment, vous repartez avec des colistiers. D'ailleurs, une équipe quasi renouvelée, hein, c'est ça? Tout à fait. Et donc, c'est le deuxième point, c'est avec qui? Avec qui? C'est avec une équipe renouvelée, avec une équipe où j'ai pu me rendre compte, avec l'exercice d'un mandat, qu'il fallait beaucoup de compétences pour pouvoir mener à bien toutes nos missions, qu'il fallait des gens avec des compétences très variées pour que les projets que l'on souhaite mener puissent être réalisés et que je ne sois pas non plus le seul élément, j'allais dire, moteur d'une équipe. Et il est important pour moi, sur ce nouveau mandat, de pouvoir m'entourer de gens sur lesquels je pourrais compter pleinement pendant ces 6 ans. Alors sur ces 6 ans qui se sont écoulés, de quoi vous êtes le plus fier? Si vous deviez choisir un projet qui a été abouti. Alors paradoxalement, je dirais que c'est l'espace socioculturel. Parce que c'est un projet qui n'a pas figuré sur notre engagement de campagne en 2014. Ce projet est né d'une opportunité financière. La vente de cette maison qui colle l'église et qui est au cœur du bourg. Et on a réfléchi avec l'équipe municipale pour définir les orientations de cet aménagement. Et très clairement, on a travaillé pendant 6 ans sur le vivre ensemble. Et le développement de ce vivre ensemble passait par une bibliothèque municipale et par une maison des jeunes. Une maison des jeunes qu'on voit qui est très active, puisqu'on a des jeunes qui traversent derrière, qui bougent. Et ça montre bien que cette coexistence de plusieurs lieux, cette coexistence aussi intergénérationnelle, fonctionne très bien sur notre commune. C'est vraiment une richesse pour nous. Et ça valorise aussi notre centre-bourg, pour moi, ça fait partie de la première pierre de l'édifice de l'aménagement du centre-bourg,
dont le local commercial communal qui a été créé à partir de la restructuration de la salle des fêtes a participé aussi à cette valorisation du centre-bourg. Alors vous avez un programme relativement riche, hein. On ne va pas tout évoquer parce que sinon on y passerait plus d'une demi-heure d'entretien. Mais quels seraient les trois axes à sortir, trois axes majeurs que vous auriez envie de sortir de ce programme qui vous tiennent particulièrement à cœur ? À partir du moment où je m'inscris dans la continuité, c'est évidemment de construire autour de cet aménagement du centre-bourg qui a été lancé en groupement de commandes avec le conseil départemental et deux cabinets d'architectes urbanistes et paysagistes. Donc il me semble tout à fait pertinent de poursuivre cet aménagement du centre-bourg, de valoriser notre centre-bourg, cette place de l'église, cette traversée principale de la RD20 rue de la Paix, et de mettre en accessibilité pour tous nos trottoirs. Ça, c'est forcément un élément fort. Le deuxième point, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle. On s'est aperçu, on a fait un constat, c'est que notre cabinet médical, avec un médecin généraliste, une dentiste, infirmière, kinésithérapeute, était à saturation. Notre médecin généraliste et notre dentiste ne prennent plus aucun patient depuis maintenant quelques années. Et à partir du moment où la commune s'est engagée dans le PUI, dans le plan local d'urbanisme intercommunal, dans le développement de sa population et donc dans son augmentation, il nous semblait tout à fait pertinent de pouvoir avoir à terme des praticiens pour les habitants de notre commune. Je ne conçois pas que les habitants d'Andillet aillent voir un médecin à La Rochelle, faute de praticiens disponibles sur notre territoire. Nous n'avons pas vocation à être un désert médical. Nous devons, en tant qu'élus, répondre à tous les besoins de notre population. Enfin, vous avez essayé de me centrer sur trois points, mais il y en a évidemment bien d'autres. Je parle évidemment du cimetière, ce n'est pas un sujet forcément commun, mais notre cimetière actuel arrive à saturation, il va falloir évidemment l'agrandir, mais on voudrait qu'une partie de cette extension soit consacrée en cimetière naturel. C'est quelque chose qui se développe sur le territoire français de plus en plus, c'est une demande que font de plus en plus d'habitants pour, dans un premier temps, évidemment, réduire les frais d'obsèques, mais aussi pour tendre vers quelque chose de plus naturel, plus biodégradable. Voilà. Il y a évidemment des autres points sur lesquels il nous semble important de travailler. C'est l'implantation de sanitaires publics. Nous pensons aussi qu'il est important de pouvoir proposer à l'ensemble de la population des endroits de propriété publique pour éviter justement que nos végétations deviennent des urinoirs naturels. Donc on a privilégié plusieurs sites sur la commune et il me semble, vu les coûts de ces investissements, qu'il est primordial de mettre ça en place très rapidement. On en parlait au début de l'entretien. Bien évidemment, il y a une liste d'opposition, hein, oui, qui s'est formée, notamment avec qui est tenue par Karine Dupraz, qui est donc quelqu'un de votre équipe encore à l'heure actuelle, hein, tant que le 15 et 22 mars ne sont pas écoulés. Bien sûr. L'équipe d'opposition vous accuse, entre guillemets, enfin du moins, dit que vous avez un manque de communication envers la population. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Alors sur la communication, je pense qu'aucune liste à Andilly, aucune équipe municipale à Andilly n'a autant communiqué que nous. Nous avons développé un bulletin d'information municipale distribué tous les trimestres. Nous avons un site internet, une page Facebook, une application pour smartphone. Nous étions les premiers sur la CDC Atlantique à avoir ce type d'outils de communication. Je ne fais pas campagne sur le dénigrement. Je ne fais pas campagne sur la critique systématique de ce que propose l'autre. La force d'un élu, pour moi, c'est d'être force de proposition. La force d'un élu, c'est de développer sa commune positivement.
Si certains, évidemment, préfèrent la critique systématique, alors que je le rappelle, qu'ils n'ont jamais voté contre une seule délibération ou même voté contre le budget communal, je laisse évidemment à la population la liberté de juger de leur critique très ponctuelle. Alors justement, la population, elle va avoir l'occasion de discuter encore avec vous, parce que ce n'est pas la première réunion publique que vous avez organisée. La deuxième arrive le vendredi 13 mars, hein, c'est ça? Alors la troisième, puisqu'on a fait au mois de décembre une première réunion participative où nous avions entendu la population, nous avions pris des informations auprès d'elle sur ce qu'elle souhaitait, sur ce qu'elle pouvait aussi émettre comme critique sur ce qui s'était passé sur ce mandat. Et à partir de ces observations, nous avons analysé et réfléchi avec une équipe pour proposer justement un programme électoral que nous avons présenté le 13 février dernier à la population. Le 13 mars, là, c'est quelle thématique ? Donc, nous terminerons notre campagne électorale le vendredi 13 mars avec probablement l'intervention de personnes extérieures qui viendront détailler en détail les points de notre programme qui nous semblent les plus importants. Très bien, merci Sylvain Fagot. De rien, merci Ludovic.